Et rebonsoir, je vous ai manqué, je m'en doutais. Re-bienvenue et bienvenue dans cette deuxième partie de soirée du coup. On vient de finir Evoland. On a pris à peu près 1h, 1h20 de live. Je savais que ça prendrait pas la soirée entière. Et du coup on lance deuxième partie de soirée sur Pokémon Unite. Deuxième lancement de live pour faire une deuxième VOD différente, beaucoup plus pratique pour moi que de prendre la vidéo entière et de la couper en deux. Il y a peut-être un moyen intelligent de faire ce que je suis en train de faire de manière pas intelligente, mais je le connais pas. On va juste changer la position du micro, parce que ce coup-ci, la télé est par là et plus par ici. Donc... Magnifique pied de micro, bien sûr. Est-ce qu'on aurait pu faire ça hors live? Bien entendu. Est-ce que le câble du casque s'en mêle avec le câble micro? Bien sûr. Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a une chance, n'importe laquelle, pour que cette manipulation fasse cracher le micro? Très probable. Alors, on entend Unite, on entend le moi. Je suis en train de faire tel bruit, je suis désolé pour ma chérie qui est en train de dormir. J'espère qu'elle dort pas encore. On se met hop, le chat du live sous l'écran. On déplace, on a des verres, on a de l'eau, on a Air Up. Techniquement nouvelle VOD, Air Up, toujours pas. Je vous attends. Je vais pas vous attendre éternellement. Vous allez devoir à un moment faire un choix, Air Up. Est-ce que vous voulez de la qualité ou pas? Si vous en voulez, vous savez où me trouver. Si vous en voulez pas, vous savez quand même où me trouver. Hop. Ce placement de micro est un peu foirax. Mais cela finira bien par démarrer un jour ou l'autre. Ah, on est mieux. On est mieux, du coup, retour sur Pokémon Unite. Hop, on va débrancher la... Je suis tellement en train de tout casser. Je suis désolé, ma chérie, si tu m'entends. Je risque de recevoir un SMS dans pas longtemps avec écrit « Putain, mais qu'est-ce que tu fais ?» Ce qui serait parfaitement compréhensible. Bref. Unite, où on est passé maître? Malheureusement, c'était hors live, on est passé maître. Je clique sur ce bouton-là, mais c'est pas le bon. On est passé en master hors live. Décidément cette installation. Ah, c'est foireux que ça en peut. Et c'est aussi pour ça que vous avez cliqué. C'est pour ce côté artisanal qui nous caractérise. On est passé master donc la fois d'avant avec Nigozé. On avait dit qu'on passerait master avec Nigozé, voilà chose faite. Et du coup, histoire de changer un peu, je me suis remis sur Tyranocif, qui est un. Quand il est sorti, je trouvais ça assez. Assez intéressant, assez exceptionnel comme gameplay, mais je sais pas pourquoi, je l'ai pas franchement joué tout de suite. Et donc maintenant que je suis en master et que je peux me permettre de perdre des games et de les faire perdre à mes coéquipiers pendant encore 12 jours, 5 heures et 30 minutes, je me suis dit pourquoi pas Tyranocif. En réalité j'aimerais bien me prendre Lansoria, mais comme il est sorti il y a moins d'une semaine, il est encore payant vraie thune, si je dis pas de bêtises. C'est pas le bon menu. Pour ça que je ne le trouve pas. Il me semble donc, disais-je, Lansoria, qui doit être encore full price, c'est ça, alors qu'il sort demain, avec des pièces. Il a l'air intéressant, il a l'air fun, mais comme tous les trucs qui ont l'air très intéressants à leur annonce, à leur sortie, il y a de grandes chances qu'il se fasse nerf violemment, très rapidement. Donc j'attends avec impatience le prochain patch. Décidément ce micro. J'attends avec impatience le prochain patch qui décidera si oui ou non Lansoria c'est une bonne idée. Parce que bon ben on sait ce qui arrive, hein. On sait ce qui est arrivé à un peu RIP Ténéfix. Alors pas complètement RIP, mais un peu RIP quand même. Bref, donc on verra si on se le prend ou pas. Bref, ça je les garde pour quand je voudrai un peu plus, ça sera plus rigolo à ouvrir. Et donc, bâtir un nocif.
Alors, j'entends pas bien mon son, je vais monter mon son. Ouh, peut-être un peu trop. Ah, mais c'est parce que je suis décision sur mon ordi. Ouais, faudra que je regarde la VOD pour voir si le son est bon. Il me semble que ça, c'est un doigt qui est correct, peut-être un peu fort, mais crédible. On verra bien. Donc ouais, lancer en ranked avec tir nocif, du coup pour essayer de s'améliorer en tir nocif, parce que c'est un rôle qui me manque un peu dans mes persos sur Unite, qui est ce rôle de off-tank. J'aime bien les deux builds avec tir nocif, alors ça dépend beaucoup de ce qui est en face et de la mobilité des trucs qui est en face. Mais j'aime bien les deux, donc ça, on va voir ce qu'on joue dépendamment de ce dont il y a besoin dans la team. Évidemment, si quelqu'un prend tir nocif, on se rabattra sur autre chose. Alors, personne ne le prend d'autre, tant mieux. On dit pour votre bot. Build, on a de la DPV et de l'attaque. Je sais pas si c'est le plus pertinent, mais ça me plaît bien pour l'instant en tout cas. Et niveau emblème, on a une page qui s'appelle attaque, car dedans il y a de l'attaque, mais pas que, il y a aussi des pèves ici, de l'armure et de l'armure spéciale, là, et 6 de dégâts. Donc le but c'est quand même qu'on est là pour faire mal, avant toute chose. Alors, je sais encore une fois pas si c'est le meilleur des trucs, et une potion, parce qu'on est là pour faire mal et pour rester dans la mêlée pendant assez longtemps, et la potion nous aide un peu à sustainer ça. On a avec nous, on a le Tortank avec nous, on a une grosse lane en bas du coup. Lanceurien en face, ça m'arrange, j'en ai très peu eu en face de moi des lanceuriens. D'habitude ils sont, enfin j'en ai beaucoup dans ma team, ou s'ils étaient en face de moi ils étaient rarement dans ma lane. Bon là vu la team en face il sera sûrement dans la jungle, mais je suis curieux de savoir, ce que ça fait, parce que c'est toujours un meilleur moyen de se rendre compte que de se faire poutrer par le personnage pour savoir s'il est à ce point là intéressant ou pas. Qui était un des problèmes par exemple que j'ai avec Urshifu, que j'ai testé quand il est sorti, parce qu'il était gratuit, la poste ou je sais plus quoi, que j'ai testé quand il est sorti, et où j'en ai jamais eu un contre moi qui m'a fait regretter d'être venu. Et du coup bah, je me suis dit bah Urshifu c'est peut-être pas la peine, il a pas l'air d'être aussi efficace que ça. Effectivement il est pas, je trouve, c'est efficace que ça. Fun, oui, il fait des gros trous dans les ennemis, certes, efficace, c'est encore une chose. J'ai l'impression que le Carpus il a envie de se battre pour faire l'élastique. Ouais, il balance ses skills pour faire l'élastique, il en a vraiment envie. Hein. La potion pour pas avoir à claquer le bandeau ou la ceinture. Je trouve que c'est l'item qui soigne, bref. Pour pas avoir à déclencher son passif tout de suite. Ils sont top, le Carpus faudrait qu'ils reviennent parce que là on est à 50. Allez mon gros. Ça bouge pas. Ouais. Okay. Là, on a récupéré. Ah, il y a eu un switch. Il y a eu un switch. Alors, est-ce que c'est parce que c'est des gens qui jouent ensemble et qui ont fait un switch intelligent? Ou est-ce que c'est juste parce qu'il y en a un qui allait en haut et l'autre s'est dit merde, du coup il n'y a plus personne en bas? Je ne sais pas. Mais ce switch est malin. Ils ont mis leurs deux mages contre nos deux. Alors qu'en haut, le Sylvian. Rivaliser et le Tenekis aussi. Peut-être un peu d'aide le Tenekis. Ok, on est 5. Vu la team qui est en face, je pense qu'en fait, la team qui est en face, je vais prendre l'autre compétence, Rock Tomb, non, Sandstorm, bref, celle qui fait du sable partout. Ça permettra peut-être de débusquer le Tenekis. Ça, c'est bien, c'est bien. Un flash pour ça, je sais pas si c'est nécessaire, mais. Ça permettra de débusquer le Ténéfix avec un peu de chance. Ça permettra aussi de pouvoir garder les dégâts sur l'ours là, qui risque d'avoir de la mobilité pas mal. Ah, le message est là, tu fais quoi, tu déménages. On va quand même pas le passer, hein, ce soir.
pas envie de passer. Tant pis. Ceci dit, le message est bon, non, c'est bon, j'ai arrêté de déménager là. Je suis sage. Bah, non, je pense que je suis sage. Je suis encadré, mais je suis sage. On monte top. Finalement, on profite de notre mort pour partir vers là où on en a besoin. C'est pas neuf. C'est embêtant. Parce que je débloque la deuxième compétence au niveau 9. Le last hit qui ne sert à rien, mais on est toujours content d'avoir un last hit. Ok, il tombe. Ah non, j'ai pas réussi à sortir un peu. J'ai pas mon dash, il me semble. Il va se faire avoir s'il reste là. Non, mais tant pis, on l'abandonne le point, c'est pas un problème. Moi là, je vais peut-être pouvoir passer 9. Je sais pas, faut que si je récupère les deux là et un au-dessus dans la zone, il y a moyen que je fasse 9. Non. Peut-être que si je prends juste les 3 là, ça va faire un baffe qu'on baisse. Parce que désolé les gars, mais je pense que c'est quand même plus pertinent pour la team que je passe 9 plutôt que je passe 9. En termes d'impact, je veux dire, t'es sympa. Hein. Donc ouais, je pense que c'est une tomb pour pouvoir... Puisque le renard en face, ça a pas pris le la tempête de feu, qui aurait justifié que je prenne l'autre truc parce que ça me permettrait d'être insensible au contrôle, mais elle l'a pas pris. Nice, ça c'est same tool. Entièrement grâce à Sentou. Laura. Laura. Elle est pas cliquée sur l'âge pas cher. Ouais, il est tout un peu vide. Et du coup, on n'a toujours pas vu le dragon. Si lui aussi dans le jungle, mais on l'a toujours pas vu par chez nous. C'est une excellente cible pour le Ténéfique sur le dragon. Il attaque tellement vite. Bon là il y a quelqu'un chez eux qui est en train de faire les gilets qui, mais qui est donc pas en train de bouger son équipe. Donc on va défaire les G-Steel. Ouais. Ah, tiens. Ah mais. Bon, c'est pas grave. C'est presque bien pour nous parce qu'il faut qu'il aille au top et d'un temps. Ouais, moi je continue le bot. Parce que je peux me le faire sur le bot, c'est pas un problème. Ah, il est encore pas mal. Bon, ils vont pas aller au top, mais c'est pas grave. Les victoires personnelles, vous savez comment ça fonctionne. On va activer notre Sandstorm autour de nous. Ah bah tiens, qui c'est qui est de retour? Serait-ce Casse-Pou de Fer? Ah je sais, niveau 20, on est bien après ça, après. La rentrée pour tout le monde, même pour l'humour. L'humour est sorti, mesdames et messieurs, et tous ceux qui le veulent. Nice. Ah, bah pas tant pis. Ok, inattendu. Mais je prends. C'était quoi ce pop que j'ai entendu? C'est un. Un message quelque part, c'est encore Discord. J'arrête pas de confondre les sons de notification entre Discord, Messenger et tout le reste. Steam soulèvera ce bon vieux PC qui fait tout ce qu'il peut. La première game, première victoire. Qu'est-ce que vous voulez que vous disiez? Du coup, deuxième game. Vérifie.
Ok, donc voyez pourquoi ouais, c'est tiens aussi je suis fun. C'est très ouais saute dans le tas, tape partout. Et c'est un rôle que j'ai pas d'habitude sur ce genre de jeu là. Enfin, pardon, pas sur ce genre de jeu là. Sur ce jeu là. Mais en fait il y a une mécanique que j'aime beaucoup. Qui est une mécanique de off-tank, de faire des dégâts autour de lui. Parce que c'est un truc qui je trouve force en théorie s'il y a assez de dégâts. Les ennemis à le focus, alors que niveau PV ils ont pas envie de le focus, parce qu'il est beaucoup trop résistant. Ce personnage qui dit ok ben je suis là, si vous ne réglez pas mon compte vite, il va vous arriver de la merde. Et vous avez pas envie de régler mon compte vite parce que ben je rajoute la guerre à l'imposier, qui est une cible super importante aussi. Il y a le lance-rien qui est super important aussi. Je pense que négocier ça peut être pas mal si je suis avec lui. Il faut un frontliner pour que les deux autres soient frontliner aussi. Mais je pense que... Ah ça va aller, ça y est. Je pense que ça peut lui rendre service plus si c'est moi. Jordan n'a rien mis. Quel est le pourcentage de chance pour que Jordan aille mid sans rien dire à personne? Jordan ne lance rien. Team en face. C'est une team qui pourrait faire peur. Ok, bon, c'est une team qui fait peur si les gars sont ensemble. Ils le seront pas. Emma Kawaii, on a Mami, on a Emma, on a Jordan, Luan. Tra. Luan, c'est 23h15. Qu'est-ce que tu fais encore ici, Luan? Peut-être que t'es sur ton téléphone dans ta chambre, Luan. Ah non, le lance-rien. Bon, on voulait partir top. J'aime beaucoup la tête qu'a quoi s'appelle Drapi en anglais, je crois le premier de la lignée lance-rien là. Il a sur la miniature là, enfin on dirait qu'il est complètement shooté défoncé. Soit pas les poser. Alors peut-être qu'il a juste pas les items. Il a peut-être pas les lunettes, ce qui aurait été bien, je pense. Pour... Let's wait for a ride. On l'a vu, non? Il est dans le champ, il a fait ce qu'il veut. On wait for a ride. Ok, on claque la potion maintenant. Parce qu'il n'y a pas d'overheal. Je viens de me frotter de mon poing et me rendre compte qu'il y avait un poil renégat qui a dû échapper à la tondeuse. Du coup il y a des chances que je fasse le live entier à essayer de m'arracher un poil de menton avec les ongles. Et là... Ah ça c'est ballot, ça c'est pas la faute du poil de menton. C'est juste que c'est un mentalier et que le mentalier ça fait mal. Concentré sur l'astique des trucs. En fait il faut du pex. Il faut du pex à un point où je me demande si c'est pas pertinent. Je veux dire c'est pas pertinent que je le joue avec avec un multi XP. Mais non parce que multi XP ça fait plus d'XP que si je suis le dernier. Niveau level. Ce qui en théorie ne parle pas. Ah non. Dommage. Plus de temps pour le poil. Putain il est là. Il est super long le bat. C'est pour ça que vous avez cliqué hein. Un gars qui joue mal à Pokémon Unite en train d'essayer de s'arracher un poil. J'en ai eu hein. Est-ce que c'est le poil? On verra bien. Le même mec qui se plaint parce que les gens sont AFK pendant les parties, putain. C'est vraiment aucune race. Dommage pour le surf. Je sais pas pourquoi il fonce. Ok, il est AFK. Bah voilà, plus de nous de gens AFK. Ok, 7. 7, cette ligne c'est honnête pour selon moi de la game. Surtout avec la méta poil de menton bien sûr. Allez, ils ont pas vu.
Ah mais il me suit pas du tout en fait. C'est un raté, j'ai fait direction. Ça a failli doublement. Mais moi, tout ce qui m'intéresse, c'est que le petit qui se soigne. Pour pourrir la vie de ce truc-là. Ouais, tout à fait. Un truc en fait, ça que j'ai fait. Le babochon va revenir, par contre. Bah, pas que. Cassos, on va se faire avoir tous les deux. Peut-être pas. Peut-être que si. Bon, le sénateur sera pas là. Merde. Ça va pas être engage, en même temps ça les a ralentis, ils se feront pas la vie de qui. Poil ? Non, pas poil. Ah la méta poil. Vraiment que j'arrête hein, je comprends que ce soit pas ouf visuellement et tout. Il y a ce truc un peu nerveux de. Je le sens. Comment on sent pas son poil. Si je passe la main, je sais qu'il est là. Je vais pas passer la main. Et qu'est-ce que vous voulez? C'est un poil de stress après la journée de rentrée. Je venais de rentrer, donc je vais chier. Alors, comment c'était votre? Bon, ma rentrée, c'était pas ouf. Les élèves, j'avais pas fait un peu de gens. Alors, oui, la caméra, tout ça, ça me fait bien avec les petits. C'est pas pour ça que c'est 9, vous avez l'air. On va passer 9. Sur ça. Oh, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il défend pas les copains, c'est dommage, on va mettre 9 sur ça. Mais... Je sais plus comment il s'appelle, Kaidol. On y va avec Ancient Power. Parce que pour le coup, ils sont un peu lâches. Et Ancient Power sur mon oh merde. Plus le map connaît, c'est moins intéressant. Ça c'est pas important. Ah dommage, j'aurais dû rester là tandis pour les deux. Ah c'est bon, j'ai compris. Il y a quelqu'un qui a emprunté la Magic Rock. T'as envie de tourner l'attention, c'est tout ça. Spectacle de magie, Eric Antoine. Ça, on connaît. Hein. Ça sent quand même les deux games sur deux qui se passent bien. Oh, il s'est pris un slap. On lui a slapé sa basse. Let's get there, Sun Follower. Oui, moi je reste là juste pour leur faire plus stress. Du coup, faites le Sun Follower. Faites-le. Mais retreat. Non, il fallait faire ce boss. Ça fait encore
gong dans mes oreilles, je sais pas si c'est un nouveau anneau de Twitch. Twitch, pardon, Discord. Oh bah attends, petit vidéo. Y'a un Oupa en face, putain c'est vrai qu'il y a un Oupa en face. Je viens de le voir là. Je l'ai pas vu de toute la game. Je dis pas qu'il était pas là, mais je ne l'ai pas vu de toute la game. Mais 2 sur 2. Modifier les infos du stream. Meta. Poil de barbe. Alors on est bien parti, j'ai une raison. On vérifie d'ailleurs que les collègues sur Discord sont... Ils sont que deux. Alors attends. Avant de lancer. S'ils sont que deux, est-ce qu'ils sont en train de jouer? Non, pas à cette heure-ci. Non, pas à cette heure-ci. À cette heure-ci, tout seul. Si t'es sur Unite, on aurait pu partir à 3 quoi, mais là c'est un peu tard pour démarrer un départ à 3. Je pense que je vais prolonger moi encore 2 ou 3 games, histoire de. Ouh. Ouais, j'ai l'air pas très très front play, mais cette team. Elle est chelou, elle est bizarre. Ok. Toute la frontline en fait c'est moi, il n'y a pas de tank. Est-ce que je me switch en tank? Non, il va se mettre en tank. Ok, ouais, bah c'est sinon chaud. C'est ça, ce son c'est bien. Terminé pour la 814, ouais 814e fois c'est ça, de la soirée. Double Dorio Zeraora, donc il va y avoir de la MS en face. Huh. Non, il faut que je prenne... Non, ça passera à travers. Je sais pas quel build prendre parce que je sais pas si le... pouvoir ancien me protège contre l'ulti du Dracofeu. J'en doute, ça serait trop. Je pense que ça va être si je veux pas m'apprendre, il va falloir pour nous. Ouais, je pense que ça va être Sentum pour pouvoir poser la zone par terre. Parce que dépendamment de ce que prennent les autres. Putain, je sais pas. Non, on est tous très mobiles. Les combats, ils vont pas rester un seul. Bon, tape-moi autant que tu veux, tu me tueras pas. Voilà, c'est pas utile. Mais je laisse poser le Mélodelf parce que s'il rush tout seul comme ça, c'est peut-être qu'il a des items. Des items qui se posent. Cet aggro là, il n'est pas nécessaire franchement. Bah oui, pourquoi t'es venu maintenant le pillage? Alors oui, j'entends, j'étais pas obligé de le suivre, mais s'il vient et que je le suis pas, ça veut dire que je suis sûr qu'il meurt. Alors que si il vient et que je le suis, même si ça se passe pas dingue, il y a une chance qu'il ne meurt pas. Ouais, bon, merci quand même, thanks. Merci, non merci quoi. T'as vu?
deal. Ouais. Après, c'est bon, les points pour nous. On est pas 5. Mais... Ok, lui il a pris le soin. Clairement. C'est un teamfight qui va se déplacer, qui va avoir. Donc on va rester avec Dark Pulse, mais surtout avec, avec Ancient Power. Ah là, je suis pas là pour toi, en même temps t'arraches tout seul, mais qu'est-ce que je fais là? Si je peux te prendre. Je peux poser pas le soigner. Toi t'as un soigneur. Moi aussi hein. Il a pris par ici le soin. Mais ça sert à rien de prendre par ici si tu peux pas claquer derrière Draining Kiss. Je voulais savoir, je sais pas, c'est la nouvelle méta Mélodon, je voulais savoir. J'ai un doute. On a un char de pets, normalement dans 15 secondes. Enfin, au dos of game, dans 15 secondes, on était niveau 7. Perdu. Je veux dire, clairement, on est au top, hein. Je l'ai pas avec moi. Hein. Que fait le jungler? La réponse est rien. Le jungler ne fait rien. Du coup, je vais être obligé de lui prendre un bout de sa jungle parce que je suis trop en retard. Hein. Ils sont sûrement en train de faire le Reggie. Ils ont raison. Hein. Même pas. Pourtant, ils auraient raison. Part de Pex de ouf. Il est 7 sur la fin du set. Encore en retard, moins que moi. Ah d'accord, là on est fou sur... on enfonce la lane du haut, on oublie la lane du bas. Après tout, pourquoi s'emmerder? Bon, essayons de voir ça. Le Flagados va rester sur place. Le Blanc Coton est très agressif, le Dracofeu est plutôt lent. Zerawa d'Odrio sont fait niveau 8. C'est quoi, on va mettre ça. Ah bah forcément, si vous faites ça, vous gardez tout, c'est pas une personne. Mais c'est pas un petit côté pour nous, mesdames et messieurs. Complètement. Arbitrite, je fais ce que je veux maintenant que j'ai mes compétences. C'est pris. Genre on se place mais on fait tellement de bruit. On arrive et on leur dit regardez on est là en fait là. Dommage. Oh le piaf, mais pourquoi il a pas attaqué? Pourquoi il a attaqué? Oh, il aurait pu en tuer un, au moins un. Et surtout, le Reggie et Lucky, c'est déception, on l'aura pas. Pendant que notre support, et pour le coup, avec par ici et le soin, c'est un vrai support, c'est un soutien 100%, est en train d'essayer de backdoor les ennemis. À coup de 3 énergies. Ces plays, vous pensez qu'on les verrait plus maintenant qu'on est en master? Détrompez-vous. Ils sont partout. J'ai mon ulti au besoin.
si pas nécessaire. Et je l'ai claqué alors que j'ai plus la body barrière. Je pense que je vais la remettre. Je pense que je vais la remettre parce que... Alors je sais pas si j'aurais tué les deux, mais 40% de PV en armure, ça aurait été vraiment un game changer. Et je les ai pas. Mais ça aurait été game changing, je pense. En bas, ouais. Je les avais pas vu les gars, j'arrive. Oh, mon micro grésille je crois. Tentative. Il ne résiste plus. Évidemment, on est mort pendant ce temps-là. Évidemment, on se fait attaquer par deux random gars pendant qu'on est en train de remettre le micro. Le raccourci, il a claqué un ulti sur moi. Quel honneur. Moi, j'ai encore une autre. Parce que lui, il arrive là. Il a récupéré. Arrêtez de l'attaquer, il y a le blanc coton qui est sous ulti, vous savez qu'il va débarquer. Bon, ben, on n'aura pas gagné la deuxième. Lui, pose 10, ça ne sert à rien. Lui, il va... Je sais pas ce qu'il est en train de faire. Les autres sont en train de le suivre, pas de TP, rien. C'est la défaite. On n'a pas à dire que c'est à cause du micro qui a coupé. Pas de témoin. Mais sur N. Lui, il est en train de poursuivre. Je ne comprends pas notre mode d'elfe. Il n'a aucun intérêt. Lui... On l'affiche, le Firebird, bien sûr. On va le rejoindre. David, qui c'est? Ça monte, donc oui. Et parce que comme ça, techniquement, il n'est pas FK, il n'est pas à la base. Si, mais complètement FK. Parce que tu es vide. Alors, FK, non. Puis concrètement il a s'arrêté de bouger à une partie à un moment de la game où c'était perdu quoi. Mais j'aime pas les gens qui font ça. C'est genre ouais bon, on a perdu, ça sert plus à rien que je joue quoi. C'est un petit peu comme si j'arrêtais de demander à Europe de sponsoriser la chaîne. Tout ça parce qu'ils le feront jamais. Mais non. Perdu, peut-être, mais tu continues. Tu bosses sur tes moves, tu vois, tu regardes un peu comment jouent les autres personnes. Mal la plupart du temps, mais c'est pas grave. Moi aussi je joue très mal. T'es une boîte. C'est combien de limite? C'est 20 ou c'est 30. Le temps que ça se fout, récupérer. On n'a pas encore pris le battle pass d'ailleurs, ce qui sera sûrement fait, peut-être pas dans la soirée là, mais qui sera fait. Ok. Si Lexfly prend un jungler, c'est chouette. Ah, Dodrio va top, Lexfly, non, Alex Fly, mid, jungler. Oui, non, peut-être. On signifie que. On s'inquiète. Ok, c'est un troll. C'est con qu'il n'y ait pas un thanks là-dedans. Enfin, je pense que un thank you, parce que. I've got your back. Tout cela là, pas important. Cela, ok. Mais un merci. Ils sont deux à partir de mid. On verra bien.
Qu'est-ce qu'on a? Double Sableye, ok. Garde-voir, Tortank. Ok. Jordan. Oh, Jordan était avec nous tout à l'heure, il jouait plutôt bien. Jordan FRD. Jordan Fred, bien sûr. Alors, lequel va se sacrifier pour partir au bot avec moi? Ouais. Alex Fly. Avec une option pas envie de partir en jungle. Non, mais non. Bah oui, mais tu vas très très vite et tu découpes tes trucs. Mais moi aussi, il me faut du pex. Du coup, je suis que niveau 2. J'ai pas mon option de fuite. J'ai aussi une option de dégâts. Mais je l'ai pas. Je ne suis plus là, ce sera plus tard. Ok, bien. Pas comme ce cadre, il est toujours à chier, on le rappelle. Ah, mais c'est notre jungler qui est là, mais qui n'intervient pas. Voilà. Que va penser Jordan Fred de tout ça, quoi? Merde, leur jungle était là aussi, et je suis dedans comme un teuteux. My bad. My bon gros bad. Alors que Sky Lucifer se met sur Mario Kart Deluxe. Je sais pas si un jour on l'aura sur... Ça fait quelques temps qu'on a fait de Mario Kart, faudrait que je joue avec Rob s'il est disponible. Parce que Mario Kart tout seul, ça me fait pas vibrer, quoi. Y'a pas de vibe. Oh, oh, ils ont pas fait exprès, mais c'était beau. Le gars qui me repousse dans la haut de l'autre gars, c'est bon. C'est bon, va chier. C'est bon. Toi, c'est à moi. Là, je me casse, c'est pas possible. Trop risqué. Trop risqué, trop peu de PV. J'espère qu'il a vu que j'étais plus loin de Cidiox. Salaud, faire le chien, mais c'est plutôt un hibou, quoi. Oh, le hibou, il est pas là, il est dans celui d'après derrière. Putain, joli snipe, il va tous la prendre. Alors que notre jungler arrive, bien sûr, trop tard. C'est à ça qu'on les reconnaît, les bons junglers. Ils sont là, mais pas à l'heure. Des meilleurs DPS distance, il faut taper du mage. Il y a un mage en train de trouver. Voilà. Déception. Mon mauvais, j'ai raté un skill, je crois. Quand ça se passe top, ça se passe. Moyen, mais ça se passe. Même la potion au lève, le Y, j'ai appuyé dessus là, le Y s'est pas déclenché. J'ai tellement permastun que la potion a pas trigger. Pas comme moi qui suis un peu trigger par cette action. Ouais, check it out, il a raison. Et là, moi je dis, comme d'hab, toujours ce fameux level 9, 8, non, 9. Primordial avec un perso si lent. Je comprends qu'il soit lent à développer parce que là tout de suite niveau 8 c'est clairement un fardeau pour son équipe. C'est soigné.
Il y a eu l'effet visuel sur sa base. Donc on sait qu'il est rentré dedans. Il a claqué un speed, je crois, quelque chose. Et... le tortank est encore là. Ils sont encore deux. So close. Désolé, je t'aiderai pas là. Je suis en fin de vie, je suis niveau 8. Je peux pas t'aider. Il faut que je passe 9. Je vais passer 9 sur ça là, mais il faut que je passe 9. Évidemment, je proc mon truc de soin sur ça. Non, laisse. Putain. Let me develop. Bastard. Ok. En face, il faut Ancient Power. Un Scratch Cruise, ça n'est pas proposé. Je prends pas la proposer. Oh, le Ténéfique chez eux qui est allé backdoor jusqu'à la base. Risqué, mais 4 et ben, c'est bien pour toi, mon. Ah, il est là. Ah, Jordan. Jordan Fred. Il va l'avoir. Ah non, il a pas eu. Oh, dommage. Ah, par contre, il a été déçu. Ouais. Et ça m'arrange pas, parce que moi, du coup, je le top. Parce qu'il y a personne sur la. S'il y a quelqu'un. Pourquoi il y a quelqu'un? Rien pour moi, rien pour, enfin pour ça, c'est sympa. Hein. Enfin, je me casse. Hein. Mais, ouais. Aux grands mots, les grands mots. Quoi. James Franco peut-être. Fuck James Franco également. À 12. Bon, c'est un mot rigolo à dire, mais il faut que j'espère un peu un fils qui a pas leur TDFX quelque part, parce que c'est un truc qui le qui. Bah, il est top. Non, c'est le nôtre qui est top. Depuis le départ, il se planque. Bah, gave rien, je veux bien. C'est notre feuille. C'est notre feuille. Slap. En vrai, on va gagner et c'est pas mérité. Je laisse poser le Pikachu, parce que moi je peux poser tout. J'ai encore le buff. Ça c'est un premier. Ça on t'apprend pas à l'école. Ça. Ça a été enfoncé à 22. Ça n'a pas été enfoncé. Mais chez eux tout à l'heure, le Ténéfique s'est posé un truc chez nous. Ceci dit, je pense que la surcharge qu'il y a eu sur celui-là en bas est suffisante. Et moi, j'ai posé 100 chez eux. Je pense que cette game est la même. Il faut qu'il y en ait qui protège. Non, non, le Pikachu, faut qu'il reste là. Il faut qu'il reste là. Non, 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 non. Ténéfique. Si leur Ténéfique back pose. Non, j'aurais le temps de revenir.
Quand même. Ah bah tiens alors, exactement le truc que j'avais imaginé. Il a été déçu par Mao. C'est grâce à... c'est mon passif qui l'a empêché de... Ah putain. Ça fait quoi? Ça fait 4 games, 3 victoires, une défaite. On est pas mal. On est pas ouf, on est pas mal. On va lancer une cinquième et ça nous fera un compte un peu rond. On va voir après si on continue. Ça dépendra, je pense, du feeling de la cinquième. En tout cas, le poil est toujours là. La méta poil de menton est toujours en place. On n'arrive pas à se virer ce poil rebelle qui a échappé au rasoir. Je vais à la tondeuse, pardon. Autorisé, attends, je suis en train de faire un autre truc en même temps. Thank you pour machin, tout ça. Je vais faire un autre truc, ok. Parce que... le poil. Bonne nuit, monsieur. On a même pas regardé la team en face tellement on était sur le poil. Je t'ai pris les deux mais promis je t'en laisse. Un jeu d'équipe, voyons, on est un good sport. Ok, ok, ok. J'ai dit ok, je l'ai dit ok. Oh, mais le double truc de glace, c'est trop beau. Waouh, ok. Que j'ai rien à poser. Arrêtez d'embêter le copain. Putain, en plus ils sont à 3 là. On a aussi notre troisième là. Nando's out chips. Putain, par contre, si on n'arrive pas à les approcher. Ah, mais c'est tellement violent ce qu'ils sont en train de nous faire. Waouh! Waouh, waouh, wow, la violence. Là, ce cadre est un peu mieux. Moins confortable au niveau de la chaise, mais il est un peu mieux, je trouve. Ouais, on n'est pas complètement comme ça. Plus comme ça, là, ouais. Oh, je croyais qu'il était encore là. J'avais pas vu. Oh là là. Quelle gênance. C'est pas un bon début de game, en tout cas. C'est pas du tout un bon début de game. Il y a plus que deux trucs. En fait, il faudrait qu'il les pose. Poser deux, là. Il faut pas qu'on le défende, presque. On perd la move speed mais on gagne en XP si on le défend pas. S'ils le prennent plutôt que si on le défend pas. On le défend quand même, c'est l'honneur tout ça. Mais...
qu'il est en train de nous mettre. Il a juste un niveau d'avance. Et pourtant, il nous fait tellement mal. Oh. Ouais, posez, merci. Ouais. Oh, le retard de dingue. Non mais toi, laisse-les nous là. On est trop en dèche que, en plus, tu nous prennes nos creeps. Toi aussi t'es en dèche. Putain, t'es... ah non, il est 8, j'ai cru qu'il était 6, ça va. Des scatters de top path, bah je veux bien. Oh là là, bah non. Oh le trap. C'est sympa de dire gather top et toi tu vas en bas quoi. Il est pour eux. Je vais pas les compter ça, c'est pas possible. Bien vouloir faire partie pour l'XP. Ok, level 7. Bien, 30. Ah mais forcément que le piaf il a un niveau lourd, il est avec avec la tortue qui a un multi-XP. Et j'ai pas mon œuf, c'est-à-dire que s'ils viennent là pour nous empêcher, ils nous explosent. Le piaf arrive, si on résiste jusqu'à l'arrivée du piaf. Nice. Merde, c'est pas... Non, faut que je prenne l'autre. C'est pas grave. Ok, prof, laisse-moi poser à moi, j'ai 40. Ok. Ah j'aime les gens qui font ça, qui regardent leur écran, qui vont pas à l'ego personnel de c'est moi qui ai posé, mais là pour la team c'est quoi qui serait le mieux. Effectivement c'était moi le mieux pour la team, bien sûr beaucoup de premier degré, hein. Uniquement du premier degré. Hein. Ah oh, ça c'est bien. Alors c'est clairement pas grâce à moi, hein, mais il y a un spike de niveau à partir duquel tout d'un coup tout redevient possible. Décède. Nice. Dommage. C'est moi qui y passe. Dans mon oreille et je ne comprends pas ce que c'est, je pense que c'est Discord mais il n'y a personne sur le Discord. Il faudra y part sur d'autres channels. Putain, je mute pendant une heure. C'est pas bien machin. Non, alors je sais pas où c'est ce plot. Peut-être c'est des MP Discord de gens que je connais pas, du coup ils sont pas rentrés dans le vide. Non, pas triple. Ils peuvent me kite. Non, c'est pas des MP non plus. Je ne sais pas. Mais non, on surrime pas. Bon, d'accord, il pose ses 50, ça fait mal. Non, on surrime pas, le gars. Il a pas posé 50, il a réussi à l'interrompre. Nice, il a décédé après. C'est pas grave. Bon, par contre, je peux pas être là, alors. On va faire des efforts. Ça va, fait ploc. Il y a une notification qui fait ploc et j'ai toujours pas de revient.
le gros dude. Il a raison. Ils ont raison. Ok. Mais ça marchera peut-être mieux. Bah oui, parce que c'est... Ouais. Non. J'ai fait ça exprès pour que tu restes parmi nous. Comme un chat. Parmi nous. J'arrive dans le bas. J'adore le mot. Et c'est le rip. Je veux bien faire ce que je veux là, mais c'est le rip. Bon, 5 games, 3-2. Oh, le fait mal, 3-2. Tant pis, c'est pas grave. On va peut-être pousser quand même, histoire de finir sur un bien, quoi. Non. Ah. Peut-être essayer de finir sur un bien. Je suis en train de faire un autre truc en même temps. Je suis désolé, je suis du coup pas très fluide quand je parle. J'essaie d'arriver un truc sur mon chat. Identité, il va bien. Oui. Patch sur 1. Et on va se mettre sur... C'est pas du tout bien ça. Je vais mettre Deltonien, mais ça ce n'est pas du bleu. Et du coup je peux remettre gestion du live, gestion du stream. Ok. Donc ouais non, cette défaite ne me plaît pas. Et par principe, histoire de dire qu'on n'est pas parti à minuit pile, au pire on remonte la pente. Au mieux on remonte la pente, au pire bah, ça fait 3-3, 50% win, 50% lose. C'est un peu triste. Est-ce qu'on aura le temps de choper nos pièces de fair play point. C'est quoi? Est-ce que tu sais quoi? Parce que moi je sais quoi. Moi je ne pense pas que tu sais quoi. Là on a un truc. Là on repart sur les bonnes bases. Là on y fout le négocier, c'est la valeur sûre. Et en même temps, si je le joue pas, comment est-ce que je vais pouvoir le monter avec les autres emblèmes, avec le silver et le tout. Hein? Bon. Si on va partir en jungle, arrête de laguer. Est-ce qu'on avait changé? Non. Non, on est toujours bien. Ah, ça y est, le 743e éternuement de la séance. De la session, bien sûr, même chez le docteur. Personne pour qu'on teste le mythe, ça me va très bien, je suis très content.
Alors, on n'a pas de frontline, ou pas une frontline très très solide. Le... S'il évolue en Cisaiox, il serait un peu plus résistant. Le Blissey peut aussi tanker. Alors, c'est pas un tank, mais il peut quand même faire un peu de café. Ça peut se faire. Ça peut se faire, mais on est mis très très offensif. Du coup, s'il n'y a pas de frontline, ça risque d'être un peu complexe. On va essayer quand même. Évidemment. Mais... Donc on rappelle le Cramoran, le Nicosier Jungle qui nous a porté jusqu'en Master cette saison. 45. Hop. Qui a fait des miracles. Et qui en refera. Alors, en haut ils ont l'arbre qui pousse tout seul. Ah mais c'est sûrement... Enfin moi quand je joue avec l'arbre j'ai... Est-ce que j'ai des items? Si je dois avoir le cookie d'Aeos. Les deux lignes se font enfoncer. On va tenter d'aller au bot d'abord. Le bot d'abord. Ça, on a encore un peu de temps. On pourrait nettoyer lui, hein, mais... On va approcher. Et dire coucou. Faut reculer. Non, il faut qu'il recule, machin. Ah bah bravo. Il est là? J'ai vu un truc, hein. Non, j'ai juste vu un truc qui n'était pas là. Bon, intervention pas folle. Sur l'espagnol de l'Espagne, là. Des belles? Oh. Puedo intentar hablar español, pero hace años que dejó de estudiar español. Así que quizás vocabulario y la conjugación y todo será de mala cualidad. Mala cualidad. Pero si eres español, pues bienvenido. Si on m'avait dit qu'il faudrait que je parle espagnol sur un stream ce soir. Gracias. Pourquoi? Non! Je n'ai pas dû faire ça. Mauvaise idée. Mauvais plan, mauvaise idée. Mauvais plan, mauvais plan, mauvaise idée. Mauvaise idée. Là. Si, pues, merci, thank you, gracias. Todo funciona aquí. No problema con idiomas extranjeros. No. Trace. Stupide. Focus. Pero probablemente que si... Si no... Si no... Ah, me olvido las palabras. Si no puedo decirlo en español, en francés o en inglés, será mejor. No sé si hablas inglés. Es que soy profesor de inglés y pues es más fácil inglés que español. Mauvais. Ah,
non, mais vraiment pas que. Alors, si tu eres la única persona aquí, voy a intentarlo en español. No sé cómo has encontrado, cómo encontraste, ¿no?, el stream, ese un francés, profesor de inglés, que juega a Pokémon Unite solo. No sé lo que haces aquí. Gracias, pero no sé lo que haces aquí. Oh, ¿por qué me gusta? Porque me... Pues... ¿Qué Pokémon juegas? No sé si los nombres en español son diferentes. Sé que son diferentes de la versión francesa, pero no sé si son diferentes de la versión inglesa. Así que ese Pokémon aquí, no sé cómo se llama en español. Es mi favorito, pero ni idea de cómo se llama en español. Greninja. Oh, ok. En español es Greninja as well. O es una traducción diferente o... Je peux rien faire contre lui. Personne ici, est-ce qu'il... Oh si, Léon. Non, pas blessé. A mí ese me gusta el... Cramorant, no sé si... No, Greninja es en español, no sé para el mío aquí, el pájaro aquí, no sé cómo se llama en español, pero es mi favorito, porque tiene un carisma explosivo, no sé, un mega carisma con el pescado en la boca, con el Pikachu en la boca. Y además hace mucho daño a los enemigos. Pero el carisma. Número uno del carisma. Ah, últimamente c'était peut-être pas la meilleure idée. C'est trop rapide. No quieres decirme cómo se llama ese Pokémon en español. Probablemente tiene el mismo nombre que en inglés, pero no sé. Es lo mismo que en inglés, así, Cramorant. Es un Pokémon así, sí. Imagino. Ah. Ya. Okay. Il ne fait rien. Ah, je suis dégoûté. Bon bah 3-3. Et qu'est-ce que le français? Puedes hablar français ou... En general, en el internet, los españoles o los ingleses,
cuando se trata de francés, on a oh yeah yeah, bonjour and merci and je t'aime y eso es. Oh, 4 jugadores, así que ese aquí, Cizayox, ya no está aquí, ya no más. Sodark, Didier Sodark. Eso es, sí, ¿cómo te llamas? ¿Cómo tú te appelles? Nelboy, porque normalmente sería comment tu t'appelles. Así. Pero, O sea, ¿cuál era ausente? Ese. Otra. Et vous voyez qu'on est à l'international maintenant. Il suffirait d'un peu plus. Moi, je vous fais passer les frontières de l'Espagne. Une autre. Du coup, est-ce que je reprends le piaf? Si, non, mais je peux pas ne pas prendre le piaf. Il faudrait au moins que je le passe en argent. Je sais pas si à 50 000 points, j'imagine. Machiavelli. Ah non, Machiavelli. Il y a quelqu'un qui prend le... Ok. Il vous faut de la défense. On peut faire de la défense. Me gustaría tener un profesor que juega porque quizás tienes un profesor que juega, pero no lo sabes. Si no es ¿cuántos años tienes? ¿Qué tipo de profesor tienes? Que mis alumnos son entre las 12 y 18 o 11 y 18. Pero no creo que jueguen a Pokémon Unite. No es un juego muy popular en Francia. No creo que es. 17, ok. Pues no sé en España, pero creo que en Francia no hay muchas personas que juegan a Unite. Algunas, pero no es tan popular como los juegos Pokémon principales. No creo que soy capaz de hacer el comentario de del partido en español al mismo tiempo que juego francés, vale, inglés, que obviamente, pero en español no creo. He estudiado español durante como 10 años, pero como no tengo oportunidad de hablar español en mi vida, pues he olvidado casi todo. Así que tengo las bases y
una gran parte del vocabulario. Y a veces es como quiero decir algo y sé que la palabra existe en algún lugar, pero no la encuentro. Estoy buscando por las palabras y nada. Creo que puedes entenderlo cuando hablo, el acento y la conjugación y todo, que no funciona muy muy correctamente. Attendez, oh non, ils sont top. Quel choix. Ah non, mais il était parti. Ah non. Il était parti, il était plus là, le dégosier. Comment ça se passe top? Ok. Alors on va les rejoindre. Parce que bot là ça ne sert à rien, ils sont 3. Voire 4, non, ils sont que 3. Ok, donc je suis que 6. Il me faut le 7. Ice Fang c'est bien, mais il me faut le 7. Ah mince. Sorry. Oh, nice. GG's. Il faut partir maintenant, madame. On pourra pas les avoir. On pourra peut-être. Ah. Ok, 1. Mais il a posé 40. Nice. Again. Ok. You want me to play with you? Well, yeah, sure. Why not? Wait, what time is it? Porque son... como las 12 y 20. No sé si voy... continuar porque pues clases tengo que levantarme no sé, muy muy temprano mañana. Ah, échec. Ah, ¿por qué se ve eso? Pero otro día sí, claro. Pero si jugamos juntos, si somos en como si quieres venir en un Discord, probablemente tendremos que hablar inglés o una mezcla de inglés y español, porque no sé si podré hacerlo todo en español, pero no sé si podrá hacerlo todo en inglés o en francés. ¿Qué es que...? Ok. Hello. No. O también podemos hacerlo sin utilizar Discord, o sea, justo... Gap. Justo, solamente. No sé. Stop the...
40 voglio morire. Sì, non voglio morire. Dark Didier. Oh, è Dark Didier again. Non te discord press. Mas facile. Help. Help. Ah. No help. Oh, ulti. Il a cliqué sur l'ulti. Y ¿dónde estás? En España. Porque hay muchas, como conozco muchas places, muchas ciudades, y he visitado muchas ciudades en España. No sé si pues, probablemente conozco dónde vives, si es una grande ciudad, y si es un pueblo pequeñito, no sé dónde. Pero sí es una ciudad mayor. Nope. Ok. On oublie. Ça c'est un bait, il faut pas qu'on prenne. Parce que lui il est en train de taper là. Il n'y a personne qui le fait. On va perdre puisqu'il n'y a personne qui est en train de faire ça. Non, non, non. Les gars, le pire. Oh. En Catalogne. Oh. Estudia le catalan. Un poco. Pero no me recuerdo nada en catalan. Un pueblo llamado. Ostrari. Ni sé cómo pronunciarlo. Me acuerdo de catalán, me acuerdo de qué, de las bases de la de como Endic Chavi y ya está. No, y unas palabras que como si voy en Cataluña. Puedo leer como los menús en los restaurantes o mirar la televisión y puedo entender casi todo, pero si tengo que hablar catalán, nada. No me acuerdo de nada en catalán. Como mis alumnos que pueden leer inglés, entender inglés, comprender inglés, pero cuando tienen que hablar inglés, nada. O casi nada. Es 12 y medio. Ah, sí. Tengo que levantar muy, muy temprano. Y. Tengo que parar, que dejar, que no sé qué. Stop el stream para hoy. O mañana voy a ser muy, muy cansado. Especialmente mañana porque. La escuela donde voy mañana es para alumnos de 17 años y son, ¿cómo puedo decir esto? No tengo las palabras, son muy agitated. They are like lively and agitated and noisy and loud. Así que si yo soy cansado, nada funciona. Un signal divino. Je relance le jeu une fois juste pour récupérer mes récompenses. Et je coupe.
c'est l'événement pour lui. Gracias por el follow, el seguir, el no, el follow. Solo quiero recoger no sé, mis rewards, mis esos aquí, mis nah. ¿Cómo llamas esos aquí la el todo eso es recompense, son missions. Windfall, but okay. Claim. Ça lag. Y eso es espero para abrirlos. Casi todos en una vez. Sure. Ok, bon, on va couper ce stream du coup. Ça va être la fin de ce stream. Merci de l'avoir suivi si vous êtes dans le chat. Merci de l'avoir regardé en live. Si jamais vous êtes sur la VOD, je sais pas ce que vous faites encore là. Ça fait déjà 1h30. Bon, 3 victoires, 3 défaites. Pas dingue la moyenne, mais ça fait quand même plaisir. Si jamais vous êtes sur la VOD, n'hésitez pas à laisser un petit mot en bas dans les commentaires pour savoir qui c'est qui regarde, ça fait toujours plaisir. Je vous retrouve, je ne sais pas exactement quand, pour relancer un stream, et je ne sais pas exactement sur quoi non plus. Peut-être sur un... Donc soit je relance Unite encore, soit sur un challenge run sur Pokémon Violet. On verra bien, j'ai une ou deux idées, un peu... Pas vraiment de Nuzlocke, parce que ça serait un peu chiant à mettre en place, mais quand même. Adios a nuestro viewer espagnol. Y quizás a una próxima vez, no sé. Je vous dis à tous des bisous, à la prochaine et ciao!